Meilleur buteur des championnats qui s'échauffe sous les yeux d'un public qui attend sans doute du spectacle aujourd'hui. Nous ne sommes qu'à quelques tours de la finale. Quel enjeu, hein, ce quart de finale, Pierre. Il ne reste plus que deux équipes à battre pour aller en finale. Les joueurs ont sûrement cette pensée dans un coin de leur tête, c'est clair. Enfin, j'espère. Cette rencontre où l'on retrouve l'Australie qui affrontera le Sénégal. Les joueurs plutôt en confiance. On rappelle qu'ils ont remporté leur dernier match à domicile. Ouais, victoire sur le score de 2-1, mais ce match, à mon avis, va les faire redescendre sur terre. Rappelons que la capacité de ce stade lui permet d'accueillir de très très grands matchs. Ouais, 60 000 places, ça commence à être costaud. Quand on regarde la composition de cette équipe, on serait vraiment étonné de l'avoir laissé le ballon à l'adversaire. Ça, on n'est pas du genre à attendre les erreurs ou les mauvaises passes de l'adversaire, mais plutôt à aller les provoquer soi-même. Ça fait longtemps qu'elle joue comme ça, cette équipe. Je vous laisse découvrir le 11 du Sénégal qui va démarrer ce match. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. L'arbitre qui s'assure que tout le monde est prêt. Et c'est parti. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. La mine de sa main. Hogic. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Une touche longue, une touche courte, on va voir. La touche. Ils l'ont joué vite. Sadio Mané. La passe est interceptée. Kayak. Hogic. Elle a peut-être une bonne occasion. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Bonne protection du ballon là. Bien campé sur ses jambes. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Diafra Sakho. Sainsbury, sous la pression de l'adversaire. Gaï. Diafra Sakho. La remise directe, c'est bien vu. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Alfred Gaï. Idrissa Gueye. Redoublement de passe pour créer de l'espace. Ouais, lumineuse cette passe. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon.
Ndiaye. Là, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très... qui dégage son corps de deux points sur ce centre. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Sabaye. On s'approche de la zone de vérité. Youssouf Sabali. Oh, il a du soutien, ça, ça peut être dangereux. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Rogic. Attention, il a du champ devant lui. Il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'a rien à dire. Mathieu Lecky. Très malin de faire une main à cet endroit du terrain. Oui, c'est sûr, c'est jamais malin, mais voilà, tu as raison. Ici, c'est encore plus problématique. Allez, gardien, sorti au point. Parce que la menace est le gardien qui remporte son duel. Aziz Beich. Jelinek. Interception. Liberté. Un bon ballon d'attaque. Allez, on redouble les passes. Le second poteau. Allez, c'est dégagé. Ce sera un corner à venir. Tiens, on revoit la parade, Pierre. Le portier qui fait une magnifique parade là. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. L'arbitre qui estime qu'il y a faute. Pénalty. Gardien qui repousse. Et oui, très bonne anticipation du gardien. Gay. L'énorme parade du gardien. Il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Sadio Mané. Oh, le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Avec ces images, vous allez pouvoir vous faire une autre idée de ce but. Très bien frappé ce corner. Le ballon arrive vite et puis devant le gardien. C'est parfaitement exécuté. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Cagnac. Aaron Moy. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Aziz Beich. Il s'est traversé par Kader. Le dégagement pour éloigner le danger. Kamilovic. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur.
referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Il est un petit peu cerné là. Mathieu Lecky. Il s'avance vers la surface. Mathieu Lecky. Oh, c'est à côté. Oh, c'est pas passé loin. Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Et à la mi-temps de ce quart de finale de Coupe du Monde, l'équipe se retrouve menée, Pierre. Il va falloir réagir en seconde période, sinon elle pourra dire adieu au demi-finale. Et c'est donc parti pour la seconde période. On va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Et parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Hogic. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il y a pas mal de monde pour le presser. Kouyaté. Milos Deguenec. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. C'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi de sa performance? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Ben, il est à la récupération au milieu de terrain. Attention, il a du champ devant lui. L'arbitre qui avait une faute dans la surface et oui, c'est un pénalty. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé, il a peut-être déjà estimé que le pénalty suffisait à lui-même. On voit cette intervention qui n'a pas trop plu à l'arbitre. Ouais, faute, pas d'hésitation du côté de l'arbitre. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. Malgré le poteau, le gardien qui ne peut que s'incliner sur ce but. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Allez, tout est à refaire, un but partout. Ah, la bonne qualité de ses passes. Jedinak, un bon ballon d'attaque. Kovic. Il cherche un petit pied dans la surface. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Aaron Moy. Et la frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah non, le défenseur est bien revenu. Ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Sané. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Bien appuyé ce centre. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, la touche suite à cette déviation. Allez, changement demandé par l'entraîneur.
Captain Sainsbury. Ouais, on passe par les côtés. Gélinac. Il laisse l'avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Parce que cette faute va lui valoir un avertissement. Allez, le coup, ils prennent vraiment tout leur temps pour jouer les coups de pied arrêtés, ce qui ne plaît pas, bien sûr, aux supporters visiteurs. Ouais, ils exagèrent un peu quand même. Que le résultat soit décevant, bon, sûr, mais enfin, ça fait jamais plaisir. Mais bon, c'est à l'arbitre d'intervenir et pourquoi pas de sanctionner et rajouter du temps additionnel. Le long de la ligne de touche. Ah, ça ne passe pas. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. On est peut-être en une situation intéressante là. C'est dans le paquet. Dans le dégagement, on pourrait éloigner le danger. Allez, peut-être une possibilité. Ah, la passe en profondeur, attention. Alors, ça ne donnera rien. Le ballon était donné trop fort. Oh là là, l'occasion. Ah, c'est juste à côté. Ouais, il a voulu la jouer en finesse, mais au final, bah, il a pêché au niveau de la précision. C'est quand même dommage. Allez, le changement, donc il a fait un bon match, hein. C'est sérieux, pas beaucoup de déchets, et des équipes qui font jeu égal, on le rappelle. Ça part bien, action dangereuse. Mathieu Lecky, attention à cette action. Oh, le but, oui! Et en marquant ce but, il a montré à son entraîneur qu'il pouvait vraiment compter sur lui. On voit les joueurs qui posent le jeu, qui font bien tourner la balle, et puis d'un coup, le buteur se retrouve seul face au gardien. Il prend l'information, il marque, c'est nickel. On voit que la défense est éprise sur ce but. Un but en deux temps, un peu chanceux, certes, mais il fallait être là au bon moment et surtout garder la tête froide pour la mettre au fond. Mène à la marque désormais de 2 buts à 1. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Youssouf Sabali. Les 30 derniers mètres. À l'évolution du score qui voit l'entraîneur demander à ses joueurs de reculer maintenant. C'est la fin de l'attaque à tout va, on dirait. L'entraîneur repositionne tout le monde. Maintenant, il va vouloir défendre avant tout. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. On voit le but du chaos certainement. Bel arrêt au départ, mais le gardien s'incline sur la seconde frappe. Corner, le ballon un peu à gardien, un peu trop inquiété sur ce corner. Abdoulaye Diallo. Coup gâté. On va jouer de 4. Ah ouais, la bonne passe. Non. Allez, la grosse occasion pour Sadio Mané. Et le gardien est monté sur ce corner. Corner adressé au niveau du point de pénalty. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Il va peut-être pouvoir égaliser. Ah, il a dévié au dernier moment du bout des doigts au-dessus de sa barre. Et le gardien qui monte pour tenter de marquer.
le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et voilà, ce match disputé qui s'achève. Courte victoire 2-1 donc. L'obstacle des quarts de finale franchi. Place au demi maintenant. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.